Oh, la team fantôme. Saison 2. Oh, Mathéo et Ike. Comment ça va, en forme? Ça va, la forme. Mais alors, petite tristesse, parce qu'il manque Louane, quand même. Oui, tristesse. Mais oui, tristesse mitigée, puisqu'elle est au Mexique, en train de vivre sa meilleure vie. Mais il y a 6 abonnés qui ont gagné un concours pour passer la journée ici, avec nous, à Disneyland. Oui. Donc je vous propose d'aller les rencontrer tout de suite. Et alors, attention, parce que comme on est à Disney, il faut se déplacer dans une marche festive et joyeuse. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On te suit. Eh oui. Ça va? Oh, le make-up de ouf! Salut! Bon, alors, je suis ravie de vous rencontrer ici à Disneyland dans le cadre du festival du Roi Lion et de la Jungle. D'ailleurs, je crois que ça se voit. Ouais. Ben, on va commencer par vous présenter. Donc, toi, tu es Azoa, mais ton vrai prénom, c'est Alexia, c'est ça? Là, je vous présente Bastien, Lucie. Ensuite, nous avons Adèle. Ensuite, Laure. Et enfin, Ancelin, c'est bien ça? Absolument. Non mais c'est un joli prénom. Donc on va passer la journée tous les 10 à faire des défis, à s'amuser. Mais tout d'abord, va falloir vous partager en deux équipes. Allez, j'ai la batterie externe. Parfait. Donc il y a deux équipes, mais il y a aussi deux mentors qui vont vous supporter, vous soutenir toute la journée. Donc ça va être Mathéo et Ike qui vont vous encadrer comme un petit cadre. Donnez-moi un t-shirt bleu et un touche. Voilà. Quelle main? Vous devez dire en même temps. 3, 2, 1. Ah! Ah non, pardon. Moi je monte. Quelle idée de génie! Il n'y a plus d'amitié! Ah ouais, ça clash direct! Mais, non. Mais attendez, on est à Disney! Ça doit être un clash gentil, tu le clashes gentiment maintenant! Oui! T'es tellement beau que j'aimerais être comme toi! Oh, réponds-lui! T'es tellement charismatique que je t'aime, ça! Oh. Bon, bah moi, du coup, je ne veux pas être toute seule, donc je vais être avec ma petite Sauvane qui va être mon bras droit. Et maintenant, je vous invite à déambuler dans le parc avec la démarche Disney! Allez, c'est parti! Let's go, let's go, let's go, let's go! Donc le premier défi s'appelle survivre dans la jungle. Et vous allez vous rendre dans une boutique qui s'appelle la girafe curieuse. Très bien. Et dans cette boutique, vous allez devoir trouver un goodies chacun qui va vous permettre de survivre dans la jungle. Vous avez exactement 5 minutes. Voilà. Vous prenez votre objet, vous revenez et vous aurez 30 secondes pour m'expliquer, pour me vendre pourquoi c'est l'objet indispensable pour survivre dans la jungle. C'est très peu. Donc allez-y maintenant. Allez-y maintenant. Nous, évidemment, on va rester ici parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans cette superbe boutique. Non, on n'a pas besoin d'objets rigolos. Pas du tout, c'est pas nécessaire. Ça n'a aucun intérêt. On est du savon qui mousse. Allez, c'est parti, les gars. Let's go, let's go. Survivre dans la jungle. Ok. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qu'il y a dans la jungle? Il y a du soleil, il y a de la chaleur. Est-ce que ça pourrait pas servir? J'ai du soleil. Allez, je prends parce que ça part. Ok. On choisit un deuxième objet? C'est pour éloigner les chasseurs. Non, pour appeler au secours. Ça peut être une bonne idée. Oh, mais ou alors un vêtement, parce que si jamais on a froid dans la forêt. C'est une tenue, un outil. Le poncho, là. Pour les nuits froides dans la jungle. Ok, ok. Prendre un animal ou un chapeau. Un chapeau, regarde. On a déjà deux. Est-ce qu'on peut aller voir ce qui se passe dehors ou pas? Bon, maintenant, on va aller à l'intérieur. On va aller voir ce qu'il y a. Regardez pas. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? T'es séduisant. T'es beau gosse. Fais-moi la bise. Allez. Hey, quoi, tu vas quand même perdre. C'est toi qui vas perdre. Il reste une minute. Non. Attends. On cherche. C'est pas un miroir, mince. Je pensais tout à l'heure. Je pensais que c'était mince. Un sac à dos, peut-être. Le chrono est terminé. C'est bon, vous avez vos objets? Oui. Vous êtes prêts à les défendre comme jamais, hein? Va falloir convaincre Natou, là. D'accord? Allez, c'est parti. Bon, alors nous, avec Sauvane, on est restés ici bien sagement. Bah oui. À aucun moment on a bougé. Bah, vous pouvez nous présenter vos objets de survie. Les Blue Bubbles. Allez. Premier objet. Oh, on a un mannequin. Nous avons ce magnifique poncho. Exactement. Qui peut servir de tente, s'abriter de la pluie et de la froideur de la nuit. Ensuite, nous sommes sur un magnifique facochère. Oh. Nous permettra donc de nous camoufler. Exact. Je te confirme, oui. Enfin, nous avons ce magnifique tam-tam. Ceci peut signaler un SOS, mais voilà. Ça peut aussi servir
à récolter de l'eau. Oh, c'est un gros mug, quoi. Exactement. Maintenant, les paillettes bulbeuses. Non, les paillettes bulbeuses. Les bulbes. Les paillettes pulpeuses. Oh, comme c'est original. On avait pris un petit poncho pour faire soit un tapis pour se coucher, pour se protéger des insectes et tout ça, ou une couverture pour s'il fait froid. D'accord. Pour en tout cas, c'est centré. Ensuite, on avait pris une petite casquette avec un petit tigre pour rôder et être en camouflage. Et si vous imaginez, vous êtes dans la jungle. Vous êtes acculé par une troupe. Il a enlevé ses lunettes, toi aussi. Et à ce moment-là, il ne vous reste rien à part votre t-shirt. Et là, vous sortez votre djembé et vous entendrez un chant. Il a fait un excellent jeu de mots, je suis un peu jalouse. Oh, hey. Oh. Et vous faites danser les animaux. Oh là là. Oh là là, il y a une belle démonstration qu'il n'y a pas eu de l'autre côté. Vous voyez, en fait, il y avait les mêmes objets, mais la façon de le vendre était différente. C'est vrai, c'est vrai. J'ai été subjuguée par le tam-tam. Eh bien, ce sont les Blue Bubbles qui gagnent. On va faire un câlin collectif pour repartir sur des bases saines. Hakuna Matata, les amis. On s'aime tous. Mais oui, vous étiez tous très beaux, en fait. Est-ce que vous êtes prêts pour partir sur un deuxième défi? Oui. Très bien. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. T'es passé de quel côté? Moi, je suis par là. Par là. Chacun prend une direction, on se retrouve dans 3-4 heures. À tout à l'heure. Allez, à plus. Nous voici sur le lieu de notre deuxième défi, les amis. Nous sommes donc devant le Big Thunder Mountain. Oui, parce qu'elle fait trop bien l'accent. Du coup, ce défi va consister à chanter Hakuna Matata pendant l'attraction. Et c'est pour ça que cette épreuve s'appelle L'attraction. On est sur un jeu de mots calembour. Oh, excellent. Voilà, c'est ça qui vous attend, donc vous allez devoir chanter. Oui. Et l'équipe qui aura le mieux chanté, bah, remportera le défi. Ça va être ouf, t'inquiète même pas. Allez, c'est parti! Matteo! 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 Quel chant fantastique! Que tu viras à ta vie, sans aucun souci, vive en envie! Hakuna Matata! C'est très mélodieux. Hakuna Matata. Ah, il fait le crescendo. Hakuna Matata. Eh bien, on s'est concerté très longuement. Oh là là. Durant 3 secondes avec Sovan. Toutes ces secondes. C'est un défi hautement gagné, car il y a une équipe qui a bossé les couplets en plus du refrain. Et c'est l'équipe des paillettes pulpeuses, évidemment. Évidemment, je suis désolée. Je suis désolée. Bravo, bravo. Mais vraiment, ils ont travaillé. C'était carré, c'était faux. Bravo, et là, il y a un suspense. Maintenant, j'ai très soif. J'aimerais faire une pause fraîcheur. Ah oui, une pause fraîcheur. Venez, la pause fraîcheur. Pour la troisième épreuve. Yeah. Parce que cette épreuve va vous départager, en fait. Cette épreuve, elle s'appelle Histoire de la vie. Oh, c'est joli. C'est un soulevé de Simba. C'est une présentation de l'enfant roi. Donc, pour ceci, vous aurez le choix entre une grande peluche une ou une petite peluche. Peluche. Et du coup, vous allez devoir reproduire sa présentation de Simba. Il faut que ça soit drôle ou créatif, original. Et du coup, vous allez avoir des tablettes pour faire ça. Oui. Vous allez avoir combien de temps? 30 minutes. 30 minutes pour faire une réalisation de chef. Vous êtes chaud? Vous êtes chaud? Ouais. C'est la dernière épreuve. Allez, je vous rappelle qu'il y a un très beau cadeau à gagner. Ah oui. Donc, donnez-vous. Allez-y. C'est parti, on va aller chercher notre spot pour tourner ce magnifique plan séquence. Allez, let's go. Oh my god! Hollywood n'a qu'à bien se tenir! Le
moment de visionner, le fruit de votre travail vient d'arriver. Et c'est Sovan qui va m'apporter les tablettes de technologie afin d'observer les vidéos. On vous apporte les tablettes. J'en ai pris une, je sais pas quelle équipe commence, c'est le fruit du hasard. Mon Dieu. Oh la vache. Wow. Oh là là. Il y a un ralenti. Oh là là, c'est épique, on dirait vraiment que waouh. Il y a une très belle idée, le ralenti est bien placé. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, les blue bubbles. Oui. Oh, que c'est bien mimé. Oh, il y a vraiment l'air lourd. Il y a de la team, attention. Il y a une masterclass. Mais non, mais c'est l'épée de Merlin l'enchanteur ou quoi? Oh là là. Oh, mais la prise de quoi est trop importante. Oh, d'accord. Ensemble, on est plus fort. Exactement. Oh, c'est beau. Oh. C'est un message d'espoir. Et de c'est un message porteur d'espoir. Exactement. Ah, c'est serré, hein. On va devoir se concerter. Mmh. Oh, je suis pas bien. Oh non, c'est dur, hein. Bah, les deux sont bien. Bah oui. Comment qu'on fait? Ah, j'ai une idée. Si les vidéos étaient au bord d'un précipice et que tu devais en sauver qu'une... Mais je sais pas, moi j'ai une tablette waterproof. Ah oui. Ouais. Ok, vous pouvez revenir. Ouh, le stress, la pression. Moi je suis pas bien, ça rend pas des mauvais souvenirs. Oh non, c'était pas des émotions. Là c'est horrible, hein. Bon écoutez, franchement ça a été compliqué. Déjà, avant toute chose, est-ce que vous avez kiffé votre journée? Oui, bah oui, bien sûr. À Disneyland Paris, on remercie le parc de nous avoir invités et Fanta de nous avoir permis de tourner cette vidéo. Parce que c'était que du kiff. Oui. Il faut savoir que les gains sont très stylés. Je crois que Ike t'a essayé de me les voler tous en fait. Alors c'est tombé par hasard. Oui, par hasard. C'est vraiment... C'est étrange parce que normalement il y a 3 gagnants et en fait je vois que j'ai 6 cartons. Est-ce que la vie ne serait-elle pas, Est-ce que la vie ne serait-elle pas bien faite? Oui. Les grands gagnants remportent un séjour de 2 jours avec une nuit inclus, avec petit déjeuner continental à base de jus d'orange, jus de pamplemousse, café, cappuccino. Wow. Bref, un séjour de rêve. Avec 4 personnes en plus. Mais les perdants, qui finalement ne sont pas perdants, remportent une journée dans le parc à 2. Et c'est déjà très cool également. Alors vous m'en voudrez pas si je dis que ce sont les oranges qui ont gagné. C'est horrible. Oh oui, c'est ça qu'on aime. Bravo. Merci. On espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça a été fait dans le cadre du festival du Roi Lion et de la Jungle. N'hésitez pas à en profiter vous aussi. Il y a plein de spectacles exclusifs, des nouveaux spectacles, des nouvelles parades, des ateliers de djembé. Aussi, jusqu'au 22 septembre aussi. D'ailleurs, peut-être qu'on peut aller s'entraîner pour une fin de journée. Jusqu'au 22 septembre. Merci. Au revoir. C'est la pire sortie du monde.